Enregistre des bruits de sifflement. Oh, l'autre jour, je rentrais chez moi et il y a un mec, il a essayé de me lécher les cheveux. Quoi ? Ouais. Attends, quoi ? Qu'est-ce que vous avez à Montpellier ? Oh, non, moi, je sors pas de chez moi, c'est pas moi, c'est faux. Attends, quoi ? Lécher les cheveux ? Ouais, il a pris mes cheveux, il a essayé de lécher. Du coup, mais... j'ai mis une table sur la main et je suis parti très vite, mais genre horrible. Mais juste une table sur la main, mais c'est vrai, un coup de poing à l'arrière. Ça, c'est quelqu'un qui est célibataire. Hein. Parce que quand tu viens en couple après. Probablement, oui. Bouffer des cheveux. Pourcentage. Ça marre, je pense que c'est ta première réflexion. Ah, lui, c'est un célibataire. Ça, c'est son premier problème. Il est célibataire. Ah, lui, il porte ses chaussures. Ça se voit qu'il est. Ah, ça m'a dégoûté, j'ai pris 4 douches après. Je pense qu'il chausse du 42, franchement. Ah, bah bien l'écologie, Bagheera. Super. Il voulait peut-être juste te laver les cheveux. Oui, peut-être c'est ça. En fait, il voulait justement éviter que je prenne 4 douches. Peut-être que t'avais du fromage de chèvre dans les cheveux et qu'il voulait l'enlever, quoi. Possible, c'est possible. En vrai, vraiment pas ouvert de ta part. C'était vraiment un moment sympa. Du coup, il attendait juste que tu lui dises merci. Il nous écoute, voilà, tu sais. Prendre ça comme un compliment, Bagheera. On l'embrasse, les lécheurs de cheveux, là. Oh là. Mais j'ai pas pu résister, Bagheera. C'était le pimp. Il avait l'air trop. C'était pas la meilleure façon de Florence, t'as le droit, mais t'as le droit, mais tous les jours, Florence me lâchait les cheveux. Oula. Oh, Enguerrand, regardez la place d'Enguerrand. Le rendez-vous est pris. Qui sentait la langue Enguerrand dans la chèvre française. Dès qu'on se voit là. Les mentales de Suisse. T'inquiète pas, il va changer de place, Antoine. Ah bah, comme tu veux, plutôt après, non ? Ça donne du peps, comme on dit. En vrai, il y a un petit double kill là avec Faflarage Enguerrand. Non, je suis en train de te dire que je peux me laisser les cheveux, donc occupe-toi de Faflarage et Enguerrand plutôt. Non, pas moi. J'ai ouais, voilà. Pitié, Enguerrand, il est dans la sauce. C'est voilà. Faflarage la menace. Lèche les cheveux de Faf là. Ah non, ça n'a pas marché, ça marche pas ça. Ça marchera pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aïe ! Je crois que ça bug un peu. Ah non ! Allô, tu m'entends ? Là, si j'étais pas en stream, je serais dans mon jeu, là. Tu m'entends ? Tu vas bien ? Oh putain de merde. Mais peut-être que c'est... Vous savez, des fois, vous êtes à un moment, il y a plein de monde et vous dites qu'est-ce qui se passerait si maintenant je me lève et que je hurle. Enfin, ouais, ce genre de réflexion, peut-être non, c'est un mec qui s'est dit ça. Personne ne se dit ça jamais. Bien sûr. En vrai, je me le suis déjà dit. Bah oui, bien sûr, je demande. Tu dis qu'est-ce qui se passe si là je me lève et je vomis sur quelqu'un. Non, mais oui, voilà, tu fais un truc qui est complètement bizarre. Oui, c'est moi, c'est vrai. Et complètement malvenu dans la société. Qui prend les gens là. Bah, tu faisais des vidéos YouTube, Antoine. Et peut-être que ce mec s'est dit qu'est-ce qui se passe si je lèche les cheveux de cette fille et que du coup il l'a juste fait. Il s'est peut-être dit, si ça se trouve, ça va la séduire. Ou alors ça. Imagine, tu serais en peut-être qu'il était moitié chat. C'est ça, imagine, tu serais. Peut-être dans sa tête, il s'est dit, elle va se retourner et dire, prends-moi tout de suite. Ouais, c'est ça. J'ai eu une réaction, j'ai réfléchi un petit peu. C'est ouais, lécher les cheveux. C'est l'homme de ma vie. En plus, c'est pas agréable de lécher les cheveux, quoi. Non. Oui, c'est vrai que c'est pas incroyable. Mais c'est pas. Après, peut-être que les miens, ils sont doux, mes cheveux. C'est pas très bon. Ouais, c'est pas bon. Burk. Burk, les cheveux. Burk. Caca boudin. Je me demande si quelqu'un a déjà fait du coup ces mamous, c'est vraiment une réflexion de « si je hurle ». Quelqu'un a déjà hurlé comme ça ? Je hurle Non. De la dame qui se fait comment dire ? Oula. Qui en avait marre que les gens lui parlent dans la rue et elle fait des bruits bizarres. Ah, elle fait le dindon. Ouais, elle fait le dindon et ça attège le mec. Il y a les meufs aussi qui imitent des chats, qui sais genre « et ça marche vachement bien. Ah, le dindon, je pense, ça surprend encore plus. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai que je me dis... En fait, le truc, c'est... Genre tu te fais agresser dans la rue et en fait d'un seul coup tu fais une attitude vraiment très bizarre et très... Non, tu fais vraiment... Alliance véritable, Bagheera. Alliance véritable. Je pense que tu fais peur à la personne. Alliance. Allez, Alliance. Tu prends une attitude vraiment bizarre. Je pense une que attitude vraiment... La prochaine fois je fais le crime. Oui, et en vrai ça marche. Bah, essaye, quelqu'un qui t'agresse dans la rue, tu commences à parler politique, il s'enfuit tout de suite. Tu lui envoies MP, tu votes le Z. Connaissez-vous l'UPR ? Tu parles de NordVPN. Non, c'est ça. Tu commences à lui dire les portes des enfers, Florence. Alors ok, vous voulez me planter un couteau, mais est-ce que vous connaissez François Asselineau, tu vois ? Non, c'est maté. En tout cas, François Asselineau, il me connaît, ça c'est sûr. Ça marche plus maintenant. Tu lui parles de NordVPN. Effectivement, je pense que si quelqu'un t'emmerde, lui hurler, enfin juste d'hurler ou un truc, ça fonctionne. C'est juste, c'est pas le truc le plus simple à faire quand je te fais emmerder par quelqu'un ou quelqu'un essaie de te lécher les cheveux. Davy Mourier, on me dit dans le chat. Sinon tu cries, tu fais zouin zouin zouin. Mais en vrai, ça je pense que ça peut faire.
Mais Davy Mourier, apparemment, dans le chat, on me dit Davy Mourier, quand il s'était fait agresser et il avait sorti sa bite et ça avait fait fuir sur l'agresseur. Mais j'avoue, tu commences à te branler en fait. Et vraiment, ouais. Mais c'est tellement décontenant. Tu regardes bizarre. Dans les yeux, mais tu regardes bien dans les yeux. Tu regardes vraiment dans les yeux. Ouais, je pense que ça marche avec les hommes, puis mes Et le problème, oui. Je pense que ça marche pas avec les femmes. Le problème, je pense, c'est qu'en plus, la plainte, elle peut se retourner contre toi. Du coup, genre. Non, vraiment. Est-ce qu'il est en train de lui voler son portefeuille? Il s'est mis à se masturber devant moi. Zoé. En regardant dans les yeux. En me courant derrière, on me pousse. Je suis juste très curieux de voir la déposition au commissariat. Quoi. Ouais, Alors, comment vous écrivez Zoé Ah, vous mettriez plusieurs i, vous, d'accord. Zoé. Allez, on va voir. Entendez-vous par Golden ici, Shower fait, improvisé. Je commence à pisser sur le mec. Moi, ça, c'est quand même un coup pour se faire casser la gueule. David, c'est un peu sa réponse à tout en même temps, c'est vrai, ça. Sortir sa bite ? Ah, oui. Il y a des gens comme ça. On appelle ça faire une Louis C.K. Quoi? Louis C.K. Of course. Sinon, petit jeu de la bisque quand tu te fais agresser. Bah, faut avoir des paquets de biscottes sur toi, quoi. Sinon, tu lui parles de Fifi. Si quelqu'un t'agresse, tu dis, eh, quand même, t'as une ibarre de Fifi là. Je me balade jamais sur mes biscottes. Ça marche pas sur J déjà. Fifi en vrai, bonne ou bonne? Et tu regardes. Fifi, pas ouf en vrai. Tiens, liste. T'as pas regardé sur les bons sites. Je vais regarder justement sur les bons. Ce sera son prochain Gold Event. Une, non, petite tier list. Oh là là, mais c'est une catastrophe. Ah ouais, une tier list des tchouches de personnages de dessin animé. Ah, je veux plus jamais entendre ça, pitié. Attends, t'as dit quoi, Fred? Pardon. Non. Il va pas le répéter. Non, c'est bon sang. Non mais mon chat rigole et moi je me sens pas dans. Ouais, mais il faut écouter aussi. J'étais occupé à faire de la merde avec le lance-flamme. Il voulait faire la tier liste des tétés de personnages de dessins animés. Les tétés. En vrai, on pourrait faire les crushs les dessins animés crushs, genre. Mais moi j'en ai pas. Mais vraiment. C'est juste tu l'as oublié, c'est tout. Vous pensez vraiment que je n'assumerai pas? C'est Bill de Big Deal. Franchement, je le dirais, son problème. En vrai, Ondine. Mais même pas. Ouais. Mais Ondine. Mais même pas Ondine. Moi je brunch. Bah Jessie alors. En vrai, Aimlich dans Mille et une pattes. Ah bah forcément quand c'est un chat. Hein. Ah forcément. Kim Possible. Ah. Bon après pas maintenant. J'ai parlé à Lunatic par contre. Bah à l'époque oui forcément. Kim Possible elle est incroyable. Waouh, le gars est dingue. Waouh. Attends mais la caisse de Wars en bas là. Mais c'est du spectacle là. C'est. Mais je te jure. Il s'est reconverti. C'est incroyable, là. Le mec s'est reconverti. Oh, mais incroyable. Oh là là. Et c'est le cirque bouillon. C'est le cirque blindé. C'est Shingeki no Kyojin, quoi. C'est l'attaque des titans. Oh là là. L'attaque des tétés, là. De Paris, quoi. C'est. Oh là, mais incroyable. Saute à gauche pour la caisse. C'est ce que j'ai. Alors. N'oublie pas qu'on est en alliance. Mon crush, c'est Inspecteur Gadget. Alors il a plein de gadgets. Oui, bah, je te l'ai dit, il a plein de gadgets. Il y a plus d'un tour dans sa manche. Et là, qui voilà. Et là, ça va où, Inspecteur Gadget? C'est la linéaire, moi. Moi, c'est l'agence 120 dans GoldenEye. La linéaire, là. Une bonne linéaire, là. Une bonne ligne. Une petite ligne, là. La ligne. La petite ligne. La linéaire, là. Les Shadok. Je crois que c'est Bingu. Ah bah, Shadok, ça pompe. Oula. Ah, j'adorais les Shadok. Oula. Pingu. Pardon, excusez-moi. Oula, il va se calmer, mon verre. Le fuck dans Pingu, là. Le fuck. J'ai pas entendu la fin. J'ai juste entendu le fuck. Le Pingu, le truc cursed là. Attends, tu parles de quel fuck? Le fuck de Pingu, il y en a qu'un seul. Ah ouais, non, il est horrible lui. Mais pourquoi pas Pingu tout simplement? Bah oui, bah c'est la bonne question. La question court un peu, non? C'est vraiment la question court. Si je peux me permettre, hein, ça me semble être une bonne question court. C'est une question court. Je sais pas où elle est. Je suis perdu. Barba papa. Oh là, calmez-vous, pitié.
Et je sais faire la chanson, moi. Barbidou, barbouille, barbidou, barbidou, barbalala. Oh là là, mais sans classe. Je sais pas qu'un mec veut toucher les cheveux, tu fais ça. Bienvenue chez Barapapo. Tu fais le cri. On fait les fous. Un masterclass. Je vais crever. Ah, je suis là. Attends. Qu'est-ce que je dois faire? Tu es en vie, Antoine, tu es en vie. Oula. C'est nul lâche. Ah, mais si, bah, belle. Voilà. Le soleil dans fait ta mise. Moi, je trouve que c'est un bon choix. C'est clippé, c'est clippé. C'est clippé, personnellement. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit le soleil dans les télés se vise. Rien, Florence. C'est clippé de mon côté. En même temps, la dernière fois. Pitié. La dernière fois, on avait arrêté quand Fred a dit les rases moquettes, donc ça m'étonne pas tant que ça. Le remaster ou l'original? Hein? Il y a un remaster des Razz Moquettes. Ah bon? En 3D? Un remaster des mecs qu'on fait comme Baby Bop. Ah non, non, c'est, ouais, c'est en 3D. J'ai pas regardé, moi. Putain, moi j'ai hâte du live les Razz Moquettes. Ouais, ça serait bizarre. Un live, oh, live film les Razz Moquettes, ça serait bizarre. Bah, déjà, faut vraiment. Avec James Corden. Doublé par Chris Pratt. J'espère qu'il y aura Jack Black à un moment. Ça c'est certain. Ouais. Faut sauter, hein. Faut sauter. Y a toujours Jack Black. Oh ta merde, jeu, putain. Ta merde. Pardon. Ta mère le jeu, ta merde de jeu, je sais pas. Bizarre. Oh. Et après il dit qu'il joue la même. Enfin bref. Oh pitié. Oh bah alors. Oh ça suffit. Oh, merde. C'est bon, Antoine là. Mais c'est pas moi. OMG. Tu racontes toi. On donne pas de croche, mais roté dans le micro par contre. Petit kink. Ouais. Mais je n'ai pas. Je n'ai pas roté dans le micro. Depuis tout petit. Alors. Il n'y a pas assez de tourelles, je trouve, là-dedans quand même. Ouais. Non, c'est vrai. Moi, bah, c'est un peu sa spécialité. On m'appelle Gilles. Gilles de la tourelle. Gilles de la tourelle. Non, on m'appelle juste Gilles en fait, mais bon, bref. Non, on t'appelait le cartable, mec. Le quoi, quoi? Le cartable. Ah oui, putain. Le cartable. Putain, mais il retient des trucs. Incroyable. J'ai même nommé le VOD. Ma VOD s'appelle... On l'appelle le cartable. Vous aviez des surnoms quand vous étiez au lycée? Bah le cartable, apparemment, pour le lycée. Je veux savoir pourquoi, moi, du coup. Bah parce qu'il avait un trop gros cartable, je crois. C'est parce que j'étais, grosso modo, au collège, j'étais le seul à avoir encore un cartable à cette époque, ah oui, alors voilà. Que tout le monde avait des putains de sacs à roulettes. Bon. Des sacs à roulettes? Moi, c'était plus des gens qui avaient des trucs en bandoulière, en mais vrai. C'est sacs à dos? Attends, pourquoi les lycéens, ils vont plus... Ils avaient des sacs à roulettes? Ils étaient en hoverboard et tout, des voitures volantes, bref. Oh, mais je sais pas, moi, c'est, tout le monde a toujours eu des sacs à dos. Le e-spack de base, enfin... Moi, j'ai déjà raconté en live, mais à cause de mon premier crush, en gros, en camp, au lycée, j'avais pu m'asseoir en à côté de lui. Attends, comment ça? En camp de ski. et en fait, j'étais assise à sa table, à côté de lui, et à ce moment-là, il y a un bout de bacon qui a volé à travers la table et qui est tombé, genre, qui s'est pendu à mes lunettes. D'accord, et on entend la chute. Et ouais, bah du coup, juste on m'appelait Bacon. C'est ça, pour moi. On m'appelait Bacon à cause de ça. Ah, Bacon. Ah, Brigitte, hein. Ah, je suis déjà full life. Mais du coup, je ne l'ai jamais revu, quoi. Jamais revu le mec au Bacon. Ouais, en bas, je me souviens plus. On va le savoir tout de suite. Peut-être qu'il est là sur le chat. C'est la tienne, elle est là. Ah non, c'est pas la mienne. C'est à toi, toi. C'est peut-être celui qui t'a léché les cheveux, on sait pas. Mais du coup, je me suis bloqué. Salut. Je me rappelle, là, j'arrive pas à m'enlever l'image. Non, moi, j'ai pas de surnom, moi. Non, moi c'était juste les boulis qui m'appelaient comme ça, sinon j'avais pas trop de surnoms non plus. Non, non. Moi on m'appelait juste pas, enfin. Bah toi c'était le cartable, du coup, on en a autre. Moi j'avais plein de potes au lycée, je connaissais même pas leur nom de famille, moi je les appelais par leur surnom, enfin. Je connaissais même pas leur surnom. Mais les surnoms, genre diminutif du prénom ou vraiment un surnom? Non, un surnom. Il y a plein de gens, je savais pas comment ils s'appelaient, quoi. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tout le monde a un pote qui s'appelait Poulet? Non. Non. Ah, j'avais un pote qui s'appelait Perruche. Ok, moi j'ai discuté avec des gens et je me suis rendu compte qu'on avait souvent des potes qu'on appelait Poulet. D'accord. Ah ouais. Ouais, non, nous, poulet, on l'appelle encore maintenant Poulet d'ailleurs. Hein. Il a 30 ans. Non, mais on m'appelait Roro, je crois. C'est le seul truc. Ouais, Roro. J'avais un très bon pote qu'on appelait Perruche parce qu'en cours d'éco droit, on s'amusait à faire les bruitages des profs en fait. Ah ouais. Genre quand ils marchaient, tu sais, on faisait tout.
quand il s'asseyait. Un bon lancer, ça, par contre. C'était un record de... record. Mon poulet, quoi. Mon petit poupou. Mon petit poupou. Le petit poupou. Après, nous, mine de rien, on s'appelle avec nos surnoms, quoi. Ouais, vous m'appelez avec mon pseudo, quoi, carrément. Ouais, bon, toi, là. Ça... Antoine Dada. Non, Dada. Oh, bien joué. Ah, terrible. Monsieur Daniel. Le deny de la tourelle. Antoine Daddy. Quoi ça sert qu'on joue? Antoine Big Daddy, là. Antoine Big Daddy. Pardon, m'appeler comme ça. Big Daddy. Big... Oh là, non. Big Daddy. Big Daddy. Non, des surnoms bizarres, non. Amine Daddy. Moi aussi, vous m'appelez régulièrement connard. C'est pas un peu plus... Américain, mon pote. Américain. Mais j'ai l'impression, non? Je sais pas. Non, je connais plein de gens qui ont des surnoms. Ah si, je crois que quand tu signes, en langage des signes, les prénoms sont souvent plutôt des surnoms. Parce qu'en fait, les prénoms, c'est plus compliqué à signer vu que c'est les lettres et que tu peux pas trop... Et donc, c'est souvent plus des représentatifs des surnoms. Donc, ouais, mais tout le monde a un peu un surnom en langage des signes. Moi, bien je joué. Me demande si les jeunes, maintenant, ils s'appellent par leur pseudo, genre sur Instagram et tout. Les jeunes. Les jeunes. Les jeunes, là, ouais. Comment s'appellent les jeunes? On est vieux. Comment on fait les jeunes? Il y a des lycéens là ou des collégiens ou. Personnellement, je m'appelle XXDarkSazuki58. Ils sont jeunes ou pas là un petit peu, là. Mais putain, mais cette tourelle, c'est incroyable. Oh là là, ils n'apprennent pas de leur erreur. Oh là là. Oh la dinguerie. Faut arrêter de vouloir sortir de ce trou. Hein. Non. On va le boucher le trou pour vous. Hein. 94, je suis jeune pas trop, non. Ah, quelqu'un qui me dit, moi, mon signe, c'est brioche. Quoi? Bah, je pense en langage des signes, du coup. Ah oui. La langue des signes. En langue, pardon. Et pas de soucis. Non, vous êtes tous on en apprend tous les jours avec Soleil. J'ai pas 30 ans, moi, et je suis plus jeune. Dans mon tchat, je demande si c'est des gens au lycée. Et non, j'ai pas encore 27. J'ai pas encore 27. Bah, c'est CSP, mais c'est bien. Plus d'argent pour s'abonner. Mais putain! Oh! Oh mais putain, oh! Bah, oui et non, tu vois. J'aimerais bien apprendre à signer. Ah, tu prends un stylo et puis voilà. Ouais, j'aimerais bien aussi. Bien joué la dynamite! Oh non! Oh non, c'est terrible. Oh non! Oh, ça a chié ce que j'ai fait. Ça a chié. Ah, c'est ce triple échec quoi. Mais non, mais c'est pas moi. On dit langue des signes française. J'ai fait une erreur, j'ai fait les sauges louches. Je suis en seconde et c'est les prénoms, d'accord. Ok, ça va. Et à l'EHPAD? En seconde, et il est lundi soir et 23h30 quand même là. Mais t'imagines qu'ils ont 6h30 ou quoi? Ah, c'est les vacances. Non, mais attends, en seconde, tu te couchais à 22h30, Florence? C'est quoi? Oui, bien sûr. Non, mais attends. De quoi? Vous disiez quoi là? J'écoutais plus. Alors attends. Oh, ça ne me plus en fait, j'ai l'impression de bagarre. Si, toi je t'écoute. J'ai pas écouté les autres. Attends, vu que t'étais en dialogue, j'ai pas compris. Vous disiez quoi? Les prénoms longs, vous avez des diminutifs. Mais écoute rien. Sinon, c'est le prénom entier. Moi, on m'appelle Ju. Juju, moi c'était Roro. Non, Juju c'est mort, mais Ju on m'appelait, ça me dérangeait pas. On m'appelait Il y a pas de gens qui m'appellent Ju. C'était Godzilla. Protégé en fait. Et moi, mon surnom préféré, c'est celui que vous m'avez donné, c'est Paxoui. Oh. Paxoui. Tu peux faire des échelles. Oui, tu peux faire des échelles, bien sûr. Qui joue là? Antoine. Ah, j'ai entendu une petite. Petite tourelle. Tourelle de plus là, t'as pas marre, Antoine? Où ça là? Nulle part. Ok, bon ça va. C'est quoi le prénom de Bagheera? Julie, non, c'est Justine. Justine. C'est génital. Génital Justine. C'est moi. Tu vois des bâtons. Une petite caisse à gauche là. Tout en bas. J'y viens. Florence vieille avant d'être jeune. C'est réel. Ah, c'est réel. C'est réel. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je peux me répéter. Hein. Pourquoi tu joues moi, Florence? Elle dit quoi? Que de la haine en moi, Inintos. T'as dit quoi, Bagheera? J'ai rien dit. Ok, yeah, super. Bravo. Soit meilleure blague. Un verre, hein. Soit meilleure blague. C'est Clotaire. Clotaire qui est très protégé quand même, on va pas se mentir. Entouré de 54 tours. Vous savez Pierre Belmar est mort? Oui, ouais. Ça fait un petit moment. Hein. Qui ça? Ouais. Pierre Belmar. Oh oui, Pierre Belmar. Il a rejoint la boule. Oui, il a rejoint la boule. La boule est jaunie. Touche la boule. Pierre Belboule. Et vous savez que, bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais Maïté est toujours vivante. Ça, oui, je oui, oui, on l'a fait. Languille, moi, par contre. En redressement judiciaire, d'ailleurs. Ah bon? Quoi? Je crois que son restaurant. Son restaurant, bah, avec le Covid, tu me donnes. Elle a qu'à faire une chanson?
Quoi? Maïté le restaurant. Maïté le restaurant. C'était une anguille à buter. C'est à chier ce que tu fais. Le missile de Minto, oh, c'était à chier. Bon, il a fait deux damage. Je suis plus dedans là, c'est bon. Oh, Minto, bébou. Non, mais jouer. Parce que JDH, je la gagne celle-là, hein. Je gagne aucune. Hein. Bah, je peux te dire que moi non plus. Hein. Tu gagnes autant que les autres. Ouais, mais moi je suis bon. Ah, non, pas non plus. Si on fait du first class, on serait turgescent de rire. Hein. C'est vrai qu'on serait turgescent de rire. Et mais moi, si prochaine, on fait du first class. Personne ne rit là. À mon anniversaire. Serator, il va encore faire la gueule. En même temps, son timing là aussi. Il arrive en 7ème et il fait Worms. On commence à être 23 dans le groupe, ça devient chaud. On est trop rond, ouais. On va devoir virer Lunatic. Ouais. Enfin, putain. Je m'y attendais, je vais pouvoir faire mon trait de Twitter et être tweeté un peu là. J'attends que ça. Depuis le temps qu'il est en brouillon. Petit buzz de double Z là. Mm-hmm. Oh oui. Ouh. Pourquoi moi? Oh, attention, cette haine qui va se sentir aussi. Aïe aïe aïe. Faut bien jouer. Ouf. Oh. Ah ouais, non. Petit coup de fuse. Quelle chance. Jave. Mais les verres de Florence là, c'est terrible. C'est un petit peu la sauce, ouais. Sauce de luxe. Mort de hashtag Chirac. Que faire dans cette situation à part crier très fort? Le tourelle qui bip dans tous les sens, quoi. Il y en a genre 4. Il y en a beaucoup là. Ah oui. Oh, bah dis donc. Oh, la masterclass. On s'éclate. The Morning. Ouh, ça va mourir au prochain tour là. Allez, on s'accroche. On s'accroche. Bien sûr, c'est Antoine de jouer. Mais bien sûr, je peux rien faire. Tout est horrible. Il faut tuer JDEJ là, dans tous les cas. Mais non. Bah si, mec. Si, bah. Vous savez très bien que je vais mourir sans vous. Alors, c'est bien vrai, ça. Toujours dit ça. Faites-moi confiance un petit peu pour crever, vous inquiétez pas. Alors est-ce que ça va faire une dinguerie ou pas? J'ai pas besoin de vous. Je pense que ça va la pousser, ouais. Quoi? Bah oui, il y a des... Ah ouais. La vache, c'est très très drôle là. Très très marrant. Dazot. T'as vu, Gilles Léger, on est en alliance. T'as vu, je t'ai... Gilles Léger mourra seulement, mais il mourra avant nous théoriquement. Oh, c'est pas gentil de dire ça. Allez. C'est pas grave. On parle plus du jeu là, on est d'accord. C'est pas grave, c'est toi qui me dis, oui, facile de dire ça. Pas très cool. Bah, grave, JDG mourra avant nous, et c'est pas grave. C'est le cours des choses en fait, tout simplement. C'est la vie. Il faut se faire une raison, c'est la vie. T'as un homme, il risque de mourir en tout cas avant Florence et moi. C'est l'ordre naturel. Vas-y, t'inquiète. Après, cela dit, les hommes ne durent-ils pas plus longtemps que les femmes? Attention. Bah non, les bah hommes... Non, ouais. Dans notre société actuelle, vous êtes sûr? Globalement, hein. Ah oui, il meurt plus jeune, ouais. Dans la société. Bah, ah bah après... Regarde, mais sinon, regarde Jeanne Calment. Tu mérites bien de te faire lécher les cheveux. Il compare au petit Grégory. Bah, là, vous voyez pas. Je disais ça naturellement, je pensais pas que... Quatre. Il a vraiment parlé du petit Grégory. Je préfère le petit Nicolas, perso. Y'a rien à garder de cette... C'est mathématique pour un YouTuber. Désolé. YouTube.com. Non, je vais me faire... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais le gars joue et il crie. Je joue tout seul là. Non, mais j'ai bougé, j'ai eu peur de me faire un... Tire au bazooka là, tire au bazooka. Putain, vous connaissez la farandole? Bien sûr. Ah, bien sûr. Non, mais la chanson là, enfin de... C'est les accidents, les crises cardiaques les gens. C'est pas des grattes. Pardon, je te dis, mais dans mon chat, ils disent pas du tout, mais la si. La farandole de Jeanne Calment. Pardon, excusez-moi, allez-y. Tu connais la farandole de Jeanne Calment, Bagara? Non, non. À droite, à droite. Parce que quand elle avait 122 ans ou 121 ans, il y a des mecs qui, d'une maison de disques qui sont venus lui faire enregistrer deux chansons d'électro toutes pourries. Mais non. Pour sortir en EP et faire de la c'est horrible. C'est vraiment... Non, quelle horreur. Et ça s'appelle Maîtresse du temps, je suis mort, bravo. Ça s'appelle Maîtresse du temps, je suis mort. Deux chansons, La Farandole et Maîtresse du temps. Et on écoute ça sur mon stream tout de suite, bien sûr. Sur Radio Andoise. C'est vraiment très très gênant à écouter. C'est horrible, parce que du coup. C'est le malaise. En plus,
tu sens vraiment sa vie s'échapper de sa bouche au fur et à mesure qu'elle chante, quoi. Ah oui, c'est bah, comme Renaud, quoi. Je sais qu'elle est acceptée, c'était, enfin, c'était parce que trop vieille pour elle est 22 ans, elle sait même pas c'est quoi, c'est, comment elle s'appelle. On écoute ça. Je vous mute le temps de l'écoute, j'arrive. Ouais. C'est pareil avec Renaud, non ? Si c'est bien, ouais. Attends, oh non, mais il va nous achever avec sa banane. Il va nous achever. La fontaine du temps ? La farandole. La farandole. Je le trouve pas. Ah, c'est pas sur Spotify. Sur YouTube, celui-là. Mais tout ça pour tuer Bagarre, Johanosa. T'es morte ? J'avoue, j'avais pas vu qu'il y avait le... On passe un bon moment, en tout cas. Oula, au poil de cul, là, les trois en bas. Hein. Non, mais c'est terminé. Ouais. C'est la fin de Mario. Au poil de fiac. Vous dites quand c'est à moi, je suis en train d'être, de mettre la musique. On te dira, on te dira. Ah ouais. Pipou ? C'est pas impossible que ce soit en vrai à toi, Bagarre. Oh ! Vous êtes pas cool ! Mais non, je te le dis. Ah non, on te l'a dit, regarde. Oui, Florent, c'est la seule bien. Entrez tout de suite. Oh là là. C'est non, gagné. En vrai, c'est ah gagné. Non, mais j'ai plus de. Ouais, c'est gagné. Corn Ninja, c'est gagné. Ouais. C'est là. Attendez, mais du coup, j'ai la musique à fond, y'a rien qui va. Ah, moi je m'appelle Jeanne, calmement. Quand j'étais jeune. C'est horrible. J'ai même pas envie d'écouter, vraiment. J'ai vraiment pas non, envie. Non, mais j'arrête tout de suite. Déjà, Chrono, ça m'a brisé le cœur, alors ça. Chrono, j'ai l'impression que c'est Hatsune Miku. Oula. Non, t'es toujours vivant, toi ? Bah, toujours debout, toujours la banane d'ailleurs, si je peux me permettre. Antoine qui est parti dans les tréfonds de. Moi j'ai arrêté, c'était trop. Il est en plein clubbing. Mais tu as eu. Oh bah non, attends, je viens. Pas sur moi, s'il te plaît, juste à gauche plutôt. S'il te plaît. Plutôt à droite. Plutôt, tu l'écoutes en plus. Aïe. Merci. Le plouf. À quoi que non. Voilà Marie-Josiane. Bonjour Marie-Jo. Merci beaucoup parce que pour le coup, ouais. Non mais. J'ai trop peur de voir. Je suis trop gentil quoi. Pour, 5 PV, je suis pas juste à chier au jeu. Si j'ai peur, ouais. Merci, j'ai peur. J'ai été ban chez JDG pour rien, du coup, les 100 bits c'est pour toi. Let's go. Ah, y'a quelqu'un qui vient de me dire j'ai été ban chez JDG, du coup, il me donne 100 bits. C'est gentil. Bah, et. Ouais, je te donne toutes les bits que tu veux. N'hésite bah, franchement, on ça les emmène chez JDG. N'hésite pas à ban des gens. Et Florence et Lunatique, n'hésite pas à venir me donner de l'argent aussi. N'hésitez vraiment pas à ban des gens, vous. Alors, je n'ai aucune idée pourquoi les gens sont. Oh là, ouf. Très, très bien ce que je veux. Est-ce que je. Attends. C'est Jump, mais il va atterrir sur leur stream. Ça suffit! Oh la vache, je pensais pas qu'il c'est avait. Incroyable. Énorme. C'est incroyable! C'est incroyable que tu sois pas mort quoi! J'en ai trop marre, j'en ai trop marre. Bon, par contre, elle dure combien d'années la musique de Jeanne Calment là? Bah ouais, mais je... oui, bon, je suis que peur! Regardez le sourire, Bagzouille! Garde le smile! Je sais plus là! Moi je suis là-dedans! Je tombe dans l'eau! Voilà, on vient d'écouter la farandole en entier! Bien joué! C'était un sub goal du The Event, c'est ça? Antoine? Oui. Non mais moi je suis mort. Moi je suis morte. Moi je suis mort. Bah merde. Oula, je suis au bout de la vie. Vous êtes trop jeune pour moi. Mais c'est Gilège. C'est la personne la plus vieille qui a plus vieille. Moi j'ai toujours dit que je voulais jouer à Atlas. J'ai toujours dit que j'étais d'accord pour Atlas. On enregistre les âges. Au revoir. Goodbye to everybody. Elle a vécu. T'as écouté la version remix ? La version remix ? La version dubstep de la farandole ? Oh non, j'ai écouté. Elle devait en avoir marre à la fin. J'ai mis l'original. On écoutera mes le remix dubstep. À 122 ans, pardon. À la retraite, t'as la moitié de ta vie. J'avoue. La flemme, hein. J'avoue, t'as un peu. En vrai, ouais, parce qu'il y a la flemme. Que la bourse va s'effondrer. Elle était même pas à la moitié de sa vie. Alors peut-être. Mais la flemme. Enfin, la flemme, surtout si tu. Enfin, en vieillissant. Oh, juste quand t'as vu, j'ai enregistré la farandole. Bravo, j'ai gagné. Déjà, première victoire depuis genre. 9 mois. Tout le monde ouvre 100 subs sur toutes les chaînes, partout. Ouais, s'il vous plaît. Commencez par la mienne au cas où. Incroyable, tout le monde offre 100 subs. Chez moi, là, c'est fou. Commencez par la mienne. Oh, merci pour le prime, merci. Pour le train de live niveau 1000. J'attends le train. Merci beaucoup. Le train de live est en train d'évoluer. Les 1000 subs sur tous les 6 streams, bien sûr. C'est la DER, celle-là, là. Ouais, la DER, ouais. On peut se faire une team ? Oh. Ah oui, si tu veux. Ah ouais, petite team, ça ferait bien avec ça. Bah ouais. C'est Florence. Allez, je me mets avec JDG. Et tu te mets avec JDG et Bagheera. Ah,
Ah, on fait une team à 3 contre 3. On fait 3, on va à 2-2. 3 contre 3. 3v3, c'est bien. 3v3. Pourquoi pas? Vous voulez faire une team de 2 peut-être? Non, 3v3, ça me va, moi. On peut faire des teams de 1 ou quoi? Finalement, on fait du 2v2, donc ça change un petit peu. Ça change. Une team de 6, sinon. Bon, allez, les jaunes, hein. On est. Allez, les jaunes, on est tous ensemble. Voilà, ouais. Allez. Ah, imaginez allez, si Johnny était encore en vie, je suis sûr il ferait des chansons aussi pourries que Renaud aujourd'hui. T'as dit quoi? Je suis sûr que si Johnny Hallyday était encore en vie, il serait en train d'être forcé de faire des chansons comme Renaud. Oui, c'est vrai. Écoute, on va se calmer tout de suite. Hein. Il est forcé, Renaud? Il est forcé? Non, pas officiellement. Mais... Bah, son banquier, non, qui doit le forcer. Ah, moi, il manque du lore, alors. Moi, je pense qu'il a une puce électronique et qu'actuellement, c'est un Hatsune Miku français. C'est une manière de voir les choses. Bagarre, mets-toi prête ou je vais péter un plan, quoi. J'attends de voir. C'est vrai qu'il y a eu un mec qui a acheté la maison de Jeanne Calment en viager aussi, là. Oui, bah ça c'est... Je m'attends d'en voir, c'est le viager. Ça fait déjà 20 ans, il est dégoûté, le gars. Le viager, je me demande comment ce truc est né dans la tête des juristes, en vrai. Je trouve ça... Bah c'est trop bien, t'imagines, tu paries sur la mort de quelqu'un, quoi. Bah ouais, mais c'est vraiment bizarre, les juristes ont pété un plan. Ouais, le viager, c'est bizarre. Bah du coup, ça veut dire que tous les mois, tu vas voir la personne, genre oh, « ça va, ça va, santé ?» J'ai envie du coup, là, ça casse les couilles un peu. Jeanne Calment est née avant le téléphone. Ça casse les couilles un peu, là. Vous faites un thé, peut-être? Vous rendez compte, Jeanne Calment, elle est née avant le téléphone. Incroyable. Une petite clope. Moi, je suis née avant l'iPhone. Un peu d'amiante, avec deux thés. Oh là là, quelle vive. J'ai pas eu le temps de voir, j'ai pas eu le temps de voir ce que je vais faire, du coup. Oh là. Et les jauneurs, on a choix. Il faut juste qu'on gagne, c'est tout. Aussi simple que ça. Quelques gouttes dans l'eau du puits. Quel enfer. Et c'est où là que ça joue en fait? Ah c'est là. En bas. Non, je me suis trompé. C'est sur ton écran, Antoine. Ah oui, merci. Je me suis trompé. Excusez-moi, je regardais le mur. Bon bah, du coup, je suis désolé, mais il faut que je me sauve le cul. Hein. Alors. Oui, ah oui, là-bas. Faut que tu te sauves le cul. Dans la même veine, la reine Elisabeth II est née avant le pain de mie en tranche. Mais Oh, mais non, mais Baguera. Je suis chez les bleus, hein, personnellement. Pardon. Mais c'est bon, en fait, c'est parce que... Oh, je suis désolée. Il dit rien. Je m'excuse. Ouais, t'es pas Baguera, T'as vu comment ça s'explique? T'as vu comment tu fais peur, Fred, en vrai? Fred, pardon. Terrorise les femmes. Si j'aime pas Modern Axe, je suis désolée, mais toi, c'est bien. Ouais. Pardon. Qu'est-ce que je te dis? Dis quelque chose! Mais détends-toi, Bagarre, c'est bon, t'inquiète, hein, c'est bon. Il va rien mais faire. Je sais bien. Tant qu'il te croise pas dans la rue, ça ira. C'était de l'acting. Il va te lâcher les cheveux. Tant que tu le croises pas, il ira, c'est tant bon. Tu le croiseras pas dans un event, ça ira, hein, t'inquiète. Hein. Ah bah ça risque pas, c'est bon. Il est à toi, Zizi. Oh, yeah. Ah oui, et vengeance, hein! Non, je change de team officiellement, je suis bien. Vengeance, là! Je suis rouge, personne. Merci beaucoup. Mon chat, il dit Fred a sûrement un casier judiciaire. Et ça me fait rire parce que c'est vrai. Oh, c'est quoi? C'est quoi, raconte? Bah non. Voilà, t'as eu ta vengeance. Oh, cette team. T'as eu ta vengeance, hein. Je suis chez les meilleurs, effectivement. On est quitte ou pas? Écoute, je te dirai ça. Si tu croises dans la rue, je te dirai ça quand on se croira. Il reste à te lécher les cheveux, fais gaffe. Il tape un check. Prochain event, tu seras en train de jouer tranquillement, je vais arriver et mettre un énorme coup de langue derrière la nuque. Ça pourrait être je serai pas invité, Fred, ça arrivera pas. Ça pourrait être un dongle, hein, tous les 100 euros, je lèche les cheveux. Un sub chez moi, si jamais Fred, peut-être que ça a du cinéma. Un sub chez moi. Putain, je suis bloqué, OMG. OMG. Il a dit OMG. Les barbituriques en gouttes ont été supprimés en France. Tu me ramèneras un petit gruyère. Trop de décès pour récupérer du vrai gruyère bien mis sec comme ça. Écoutez ou pas du tout? Oui, Florence, quoi? Non, mais c'est pas grave. En vrai, le meilleur fromage, c'est le fromage de chèvre. Putain, mais quoi? Non, pas sur les guides. Ah bah pas déjà. Goodbye to everybody. Tu disais quoi, Florence, avant? Je disais les barbituriques en gouttes ont été supprimés en France car responsables de trop de décès pour récupérer l'héritage de mamie. Ah ouais? C'est quoi le barbiturique? Je sais pas si c'est vrai, c'est une info de chat, mais si c'est vrai, c'est... C'est très grave. C'est très grave. C'est vrai, c'est une... Ah bah... Ça aurait été bien ma partie, hein. Go! C'est sympa, bonne nuit à tous. Ma partie était géniale, j'ai juste pas lancé un verre. J'ai pas bougé. Je passe un bon... Abonnez-vous. OMG. T'as pas joué du tout, Lulette? J'ai pas joué un seul truc. Ah mais moi non plus. C'est une bonne d'air, ça. Je pense qu'on va jouer passer en Just Chatting et puis voilà.
C'est sympa. Salut YouTube. À la prochaine. 1v2. Attendez, attendez, YouTube, à l'année prochaine, YouTube. C'est laquelle, barbiturique? Je la connais pas, celle-là. Oh là là, t'es à chier. Moi non plus. Oh là là. Je vais parler des barbiturics. Mais attendez, c'est comme un des meilleurs YouTubeurs. Et les jaunes, comprends-moi. On a une super court-métrage sur Barbie. Tu peux te suicider qu'on joue encore? Bah non, crois en moi. J'ai deux verres, hein. Ouais, on a vu des exploits tout à l'heure. Je rigole, bien sûr. Je rigole. Bon, écoutez... Tu gagnes 100%, là. Balance un Armageddon, là. Oh, ce serait trop bien. Oh, pitié! Pourquoi moi? Pourquoi pas Didier Raoul? Didier Raoul. Ah, mais en vrai, si tu tues Antoine, logiquement, t'as gagné. Bah non, il y a Didier Raoul. Comment je peux le tuer, ouais, là mais... Un point de feu, ça marche ou pas? Non. Bon, sinon... grosse grenade, hein. Petite grenade et tu te barres. Hein. Une dynamite, genre? Ouais, une grenade, ça marche. Une mine. Un doigt, le doigt. J'ai paniqué. Moi non plus. Mais je l'ai mis trop sur lui, non? C'est bon. Alors peut-être... Bon bah Mintos, on compte sur toi. Hein. Ouais, Mintos. Ouais. Moi aussi, je compte sur toi, Mintos. En plus, Mintos, non? Non. Naguera Mintos, le match que personne ne voulait voir. Ouais, clairement. C'est un peu vrai. J'ai mute le screen, personnellement. J'éteins mon écran. Mais du coup, les barbituriques, c'était fort, c'était vraiment utilisé pour ça, du coup, c'est fou. Toujours pas compris ce que c'est. Comment tu crois que j'ai mon héritage, moi? Oui, bien sûr. Enfin, fallait bien la financer, cette vidéo d'à 11 ans. Désolé, mamie. Et les gens l'attendent vraiment, quoi. Papy, mamie et les gars, désolé. Je sais pas si j'ai gagné. Faut que je batte, hein. Ouais, faut que tu gagnes, quoi. Pour gagner, faut gagner, je pense. Ouais, attendez. Allez. Petite banane là. Pas sur toi. Qu'est-ce que tu... Non. J'ai pas pris le bon truc. What are you doing, Stab Bro? Eh bah écoutez, tant pis. Hein. Stab Bro, what? Oula. Oui. Oh ah. Let's go. Incroyable, GG pour cette dernière partie. Oh, j'ai vraiment été incroyable sur cette game. On en refait une. Oh non. Un mode fort là. Oh non. Mais on en refait une. Oui, on en refait une. Équipe. C'est mode fort. Au revoir YouTube. Putain, on a jamais eu autant à Armageddon ce soir que... Ouais, que ce soir. Finalement, quoi. Bah, on garde les mêmes équipes, on l'a fait pour de vrai. C'est l'hymne suisse qu'on a entendu, hein? Oui, c'est l'hymne suisse. Venons, on l'a fait. On dirait qu'il souhaite jouer les éléments, ouais, c'est ça. Venons, on l'a fait sur cette map-là. Oh là là, non, ça va être la Oh oui, la petite batterie là, petite batterie, allez. Ça va se faire trop vite avec les batteries. Oh, okay, c'est marrant, l'hymne suisse, on dirait vraiment le truc de joyeux anniversaire. Ouais, ah non, mais il est dégueulasse, on dirait qu'on va se marier dessus, ça. En fait. On dirait que quoi? C'est un truc de mariage aussi, genre. Bah, c'est peut-être que ça passe pendant les mariages en Suisse. Mmh. On dirait l'opening d'Iggy les cafards. C'est pas bien, quoi. Ah, imaginez se marier sur ça. Il est très lent, surtout. Sur nos... Oh, ma musique de mariage, c'était Civilization. Le soleil. Civilisation. C'est la musique de... C'est le thème de Civ 4. Ah. Parce que je suis un gros nerd. En vrai, ça devait être joli. Bah oui. J'espère qu'il y aura encore un Armageddon, en tout cas. Je sais pas ce que je mettrais, moi. Je pense... Oui. Moi, je mettrais Bengarang de Skrillex. À la surprise de la famille et de la belle famille. De toi, moi. Genre Yodel version trap. Bengarang de Skrillex. Bonjour, voilà. Ah merde, pardon. Bengarang. Moi, je mettrais... Moi, je mettrais la chanson de l'UMP, là. Ah oui, je mettrais... ceux qui veulent changer le monde. Voilà, celle-ci. Sure. Moi, je mettrais Dona. Ah, bien sûr. Bien sûr. Moi, je pense que je mettrais l'intro de Lego Racer. Pardon, excusez-moi. L'intro des émissions JDG. Sonic Eurobeat, c'est une bonne musique de base, ça. Sonic Eurobeat, ça serait incroyable. Tout le monde, ça. Un petit Sonic Racing, là. Sonic Racing en version Eurobeat, là. Oh là 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 là. Je mets un petit... On va le mettre d'ailleurs. Alors. Sinon, LUG, hein. Oui. Ton nom, c'est Luigi. Vous voulez que je vous l'envoie? Ouais. Vous pouvez tous l'écouter en même temps si vous voulez. Non. Alors. Bonjour. Je sais qu'on est dans la même équipe, mais faut pas exagérer non plus. C'est une tuerie. Au revoir. Ah non, je pensais que ça aurait les deux.
Très déçu. T'as voulu faire du mal. Oh, bien joué. C'est qui est parti, j'ai pas vu. C'est Bipou. Bagheera Jones. Non, pas Bipou. Oui, c'est Bipou. Mais c'est l'équipe adverse, on s'en fout. J'ai pas eu le temps de crafter des trucs, mais je pense que c'est ok. N'hésitez pas à lancer un Armageddon avant que je joue, hein, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Tu sais que le mec qui en a lancé deux dans la soirée. C'est parti. Je n'y crois pas, quoi. C'est merveilleux. Un bel et viable, en fait. Tu vas y arriver. Ouais, c'est gagné, là. Tu vas y arriver. Sans merde. Allez. Rompiche. Allez. Rompiche TV. C'est gênant. Ah, ah c'est gênant. Tu vas y arriver hein. Ah vas-y, oh le désespoir. Oh le désespoir. Mais il reste pas là. Bon t'es mort. Tout ça pour ça. Allez. Quoi je suis morte. C'est Manon. C'est bien joué hein. Mais non je suis pas morte. Il est beau ton pâté de sable. Je suis pas morte. Faut me conseiller moi. Ah merde la prédit putain pardon du coup. Oh, la prédit. Ah putain, quelqu'un pourrait me faire un mod pour mes verres pour avoir de célèbres anti-vax à la place de. Quoi ? Oh là là. Quoi ? Comment il s'appelle Bigard, là c'est Bigard. Ah oui Renault. Ah, il y a moyen qu'il y ait un casque Bigard. Bigard. Ouais. Il m'a plus envoyé le message d'ailleurs, Bigard. Quoi ? Ah ouais, c'est vrai qu'il m'avait envoyé des messages, Bigard. J'avais pas suivi ça. Il m'a des messages, Bigard. Il m'avait dit quoi ? Feur ? Non, il m'avait dit. Et GG pour What the Cut, ma couille! Ah, c'est rigolo. Après le The Event, il m'a dit pourquoi pas faire un The Event au Stade de France. D'accord. Et après, pourquoi pas, hein. Après il m'envoyait des vidéos promo de lui. D'accord. Ah ouais? Ouais, sympa. Avec des grands projets, quoi. Ouais. Antoine met le paquet bientôt au Stade de France en 2022. Tu vois le colo là, je le suce. Ah ouais, ouais, tu faf. Quoi? Tu faf. Ouais. Et merde. Non. Ah mais c'est vraiment là. Une belle je peux devenir une couleur. Hein. Slip léopard, Antoine. Oh là. Oh, oh non. C'est DMG. C'est DMG. Il s'agit de DFG. Giorgio. DFG l'antivax. Ouais. Alors. Vous savez pas. Petit Armageddon là, Vitef. C'est un Armageddon, je pense. Il n'est pas vraiment docteur DFG, vous savez pas. Ça dégoûte. Par contre, il n'est pas feel good. Je suis pas sûr, mais vas-y. Ah, encore si. Moi, monsieur. Bien joué, je. Mets pas tes deux verres ensemble. Ok. Arrêtez de mettre des doigts là. Joue jamais. T'es trois verres ensemble même. Oh putain, même j'ai flanc, c'est vert. Oula, ouais. La petite batterie. La petite batterie là. Peut-être une petite. Par contre, Pfizer au milieu de tout là. Hein. Je me jette dans le canal. Let's go. Bien sûr. Là, c'est marrant, il perd la tête de Patrick Balkany quand il saute. Ouais. Il perd la tête. On voit son vrai visage. Balkany était qu'un verre depuis le début. Il y en a vu d'autres. Yes. Alors qu'on y a un cardage à faire. Ah ouais, là... Ah oui. T'as les prix qu'il croyait prendre hein. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh oui. Oh là là. Oh là là. Ça dégoûte. Ça coince. Oh, ça dégoûte. Ah non. Il a donné le beauté. Il faire la même. Mais ça va, j'en ai déjà perdu deux. Vous pouvez vous calmer en mode oh non. Bah oui, bah je suis deg. Bah non. Et dans ma team. On est tous bah tristes, je pense. Ah. Moi j'étais triste qu'ils soient coincés parce que t'es pas dans ma team. Quoi? Faire. Allez. Allez. Oui. Oh là là. Masterclass. C'est son meilleur move de la game. À voir ça maintenant. Okay. Je reprends mon souffle là. Je reprends mon souffle. Je vais devoir sauver le soldat Ryan. Je me demande vraiment où tu l'as mis en vrai. Oh, le mystère est entier. Je pense savoir. Ah ouais? J'ai ma petite idée en tête. Ma petite idée. Tu fais partie desquelles? Des pickpockets. Tu peux faire ma maison. J'ai ma petite idée en tête. On passe à un moment exceptionnel. Je sais pas quoi faire. Chibre en ligne. Okay. Ah non, mais, oh, ah oui, ça, mais va, ça va rien faire. Ça va faire bah, R. Alors là, le mystère est entier. Là. Ça fait rien? Bon, je sais pas, j'essaye. Là, le mystère est entier. Ouais. Je dis que ça fait un petit mouvement, le tu vois. Le mystère est entier. Et boum!
Un petit accent de Antoine tout de suite. Oh non, Brigitte. Bon et les jeunes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Brigitte, je la fous dans la sauce. Ah bah du coup, en plus, Brigitte. Ah oui, je crois que j'ai pas eu mes 1000 subs quand même. Oh, ça dégoûte. Mais le Val... Ah non, le Valois va toucher. I'm dead. Ok, bon, j'ai quand même sauvé Brigitte. Je vais faire un peu mal, mais c'était un mal pour un bien. Parce que ça focus les petits streamers sur ce stream. Quoi? J'avoue. Écoute. Ok, guys. Feur! J'ai dit trop tard, mais feur! Elle est con. C'est bien joué, Bagheera, c'est bien joué. Merci. Okay. Merci. Bravo, j'en fais un pour toi. Attention, la tourelle, il y a la tourelle à l'entrée du bus, t'en fais gaffe. Il y a la tourelle. Reste là, en vrai, reste là. Fais très très gaffe. Oh. Bagheera, j'espère que t'es contente d'avoir placé ça, vraiment. Oh, ouais. C'est raté. C'est vraiment incroyable. Oh non, ça marche quand même un peu. Hein. Pas sûr. Ouais, non, pas... non, à pas grand chose, mais... Oh non, Clotaire. Non, ça va. Non, Clotaire va bien. Non, mais ce qui va être exceptionnel, c'est ce qui va suivre. Voilà. Ah. Attention. Bien joué. On est vraiment sur une... C'est cadeau. C'est le spectacle. Qui arrive comme une blague de Bagheera, quoi. Je suis bleu. Je suis bleu. Oh. Aïe, 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 aïe. Au fond de mon cœur, je sais que je suis bleu. Ah ouais. Ah ouais. Moi aussi, je suis bleu au fond de mon cœur. C'est pas parti du bon côté. Bizarre, un peu. Putain, mais Florent... Ah. Eh, en vrai. Oh là là. T'as Armageddon pour Florence là, partie, là. C'est en vrai, faut tuer Brigitte. Hein. Stratégiquement, c'est très viable hein, de tuer Brigitte. Ça, ouais, on pense à ton sommeil, Florence. À ton âge. Tu devrais quand même. Ah bah là, c'est sûr que. Hein. À ton vieillage. Ouais, moi, ta plage, t'es péto au-dessus de l'eau. C'est vas-y, finis-en. Si tu TP à la surface, normalement, tu marches dessus. C'est pas sympa de pousser les gens au crime. Hein. Ah. Du coup, elle rentre dans sa gueule. Pas trop chier. Oh, on peut, t'inquiète. On peut le faire, effectivement. On peut te faire chier. En tout cas, je suis très content d'être là avec cette tourelle. Tout le monde sort ses torpilles, tout le monde sort ses concasseurs là. Mais stop! Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous êtes désagréable comme ça? J'ai rien fait, moi. C'est pas moi. Je suis personnellement toujours désagréable que d'habitude, arrêtez. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et en plus, il mourra bientôt avant nous, alors du coup... Et c'est pas grave, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est oh pas grave. Là là. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Par contre, ils sont où les verres d'Antoine, en vrai? Mais, ah, mais ils sont très visibles, je crois. Antoine, il va jouer 1v3 tout à l'heure, là, il va être bien. C'est notre stratégie, l'équipe. Oui, vas-y. Ce serait bien de mettre une petite... T'es où? Une petite t'es où? Oh bah câlin! Aïe 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 aïe. Oh non, elle a glissé! Ouais bah c'est vraiment dommage. J'ai glissé à haut. La glissé à haut. Attention la mousse! Oh c'est à moi! Je vais te faire piquer. Oh oui! Qu'est-ce que je peux faire? Vois-tu Florence? Elle est où? Non, pitié. C'est son dernier verre. Oh ah, non, alors non, 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 non. Non, soyez pas. Non, on n'est pas stratège comme ça. Non, par contre, dans le Vaxibus là. Fnatic, il aurait aucun remords. En vrai, j'en aurais un. Là, tu poses. Tu restes à côté et tu poses une batterie chargée. Attention à la tourelle bleue. Tu fais start là, puis tu fais sortir. Le camp des jaunes là, c'est un truc de fou. Mais ouais, il faudrait balancer une. Pourquoi même de mettre, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce qu'on attend quoi? Pourquoi moi? Attends, dis-le de l'autre côté, peut-être ça l'aurait poussé. C'est l'afro, vous avez pas les afros? C'est vrai que j'ai paniqué. Ouais. Oh du racisme. J'ai un peu stressé, c'est vrai, j'aurais dû mettre de l'autre côté. Moi, c'est bel et bien du racisme, une sauce, effectivement. Ah ouais? Ah oui. Ouais. Bien sûr, d'après mes experts de Twitter. C'est en plus. Hein. Ça... Ah non, c'est. Michael, bon. Michael. Nickel. Michael Cole. Tu veux te dépêcher de renommer tes verres Julien, sinon... Sinon... La fessée. Ah mais attends, si. Je pourrais... Oui. Antoine fabrique avec Quentin. Ouais. Qu'est-ce qu'il fabrique donc avec Quentin? Oh bah, plein de choses. C'est rassurant. Une belle chose.
Et pan. Très bien joué. Joli. Je screen. Ça ne touchera pas. Ça chier. Il déteste vraiment les dubstep gun. Hein. Le dubstep gun, mais tu n'es pas ave. Je déteste JJ. GG, guys. Antoine, pourrais-tu te décaler Bertenilde? Bah, bon, sinon, bah Bertenil, là, hein. Ouais, sinon il peut le faire. Paris, bien sûr que je vais décaler Bertenil, mais bon, je peux pas sûr. Ça va être décalé toute seule, je pense, Bertenil. Il saute au-dessus. Non, ça va. Je pensais qu'il allait partir en arrière, tu vois, moi. Ouais, je pensais aussi. Tu fais les expériences. Ouais, ça l'a décalé un peu après en soi. Après, ça décale un peu, là, maintenant, quelque part, Bertenil peut y aller. Je pense plus y aller. Si t'as une arme qui permet de tous les buter, mais que ça tue Bertenil... Non, ça les butera pas tous. Mais c'est juste que je suis désespéré, quoi. Seulement, j'ai une arme pour gagner, mais j'utilise pas. C'est le moment. Ouais. C'est juste que je suis désespéré, quoi. C'était plus vite avec l'armageddon, hein. Ouais, je préfère un armageddon, là. Si t'as un âne de béton aussi, ça peut le faire. Y a un mec dans le bus, là, avec une coupe afro. Florence, elle est désespérée. Vas-y. À droite, y a un mec dans le bus avec une coupe afro, Florence. On est dans la même équipe, je te rappelle. Lance ça. Non, mais c'est un peu plus à droite. Ah ok. Oui, il est pris. Ah non, c'est pas si mal en fait. Oh, Johnson. Ouais, ça va, ça va. Presque eu. Pas si mal. Pas si mal. Le meilleur entre nous. Il était à JDG. Ouais. T'es à JDG. T'as votre JDG. Non mais vas-y avec une batte là. Assure le coup. Je vais laisser Bertenil tranquille, par pitié. Oui, Ah oui non, il était là, d'accord. Il veut juste chanter. Qu'est-ce que tu fais? Je veux. Pourquoi tu fais ça? Et mais tu es en débarrasse-toi-en. T'inquiète. Débarrasse-toi-en. Ok, attends. Ouais, non, il a raison. Oui, c'est vrai qu'on a fait un mode force, on s'en rend compte, finalement, presque. C'est vrai. Ouais. Bah, c'est gentil. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Ok. Allez, Patrick! Il a raison. Ouais. Ok. Okay. Jamais. Bon, je sais très bien ce qu'a fabriqué avec Antoine, ce fameux Antoine. Viseur général. On va prendre deux risques. C'est une batterie chargée qu'il a fabriquée avec Antoine, je suis sûr. Bon, je sais pas. Non, il n'y en a pas mis. Il n'en a pas mis d'autres. Okay. C'est ce que tu crois. Oupinaise. Oupinaise. Bien joué ça, Antoine. Oui! Non, c'est maintenant. Ça va rebondir. Et ça va tomber à la flotte. Oh non. Ok, non, c'est bon. Oh la dingue. Et ça va toucher Mini. Oh putain! Trop bien joué. C'est tout ce que ça a fait? C'est tout même pas. Ouah, le 1 PV. Énorme tour, Antoine. C'est tout. C'est tout. Mais ça a pas touché la personne dans le bus, là, le mec à l'afro, là? J'ai le droit d'attaquer quand même. C'est toi, putain! Je pensais pas que c'était toi. Il veut vraiment me casser le cul, quoi. Mais non, mais j'ai pas compris que c'était toi. Casse-moi le cul. J'ai le droit d'attaquer quand même à droite là. Comment ça à droite? Ah bah ça bague. Oui c'est à moi. Bah en vrai si t'attaques là, si t'attaques en guérant, normalement la caisse explose. Ah ouais. Ouais. Non, ça va juste me donner l'arme qui est dedans et c'est un armageddon. Plus à gauche. Alors du coup attends, je fais autre chose. Non mais vas-y, pète-le, je m'en occupe des deux à droite. Non, je vais le péter. Pète-le là. Pète-le là. La cuve à jus. Waouh. Oh waouh! Tu vois, ça a chier. Et j'ai gagné l'objet. Anne de béton! Waouh! Putain, trop bien! Anne de béton. Armageddon de métal! Armageddon quand même, hein. Une caisse très rare. Là, c'est pas dingue. Ouais, il aurait fallu attaquer Antoine et pas la caisse. Quand Ouais. Mais je voulais qu'il éjecte sur le côté en fait. Bon, allez, là, tu lances ta banane et c'est gagné. Hein. Ouais, les ongles. Ouais, c'est vrai qu'on a la banane là. Mintos, il l'a. Il a les personnages. Il joue un type d'équipe qui fait qu'il a plein d'objets à l'avance. Ouais. C'est vrai? Putain. Ouais, c'est incroyable. C'est cool, ça moi je savais pas. C'est gentil de nous apprendre. Ah. Mais. Ah oui! Il va venir avec nous, c'est gentil. Oui, mais bon, écoute. Ah non, le tricheur. Je pensais que ça allait aller, je vais vers les autres là. Le tricheur qui triche. Trop loin. Quel grand jeu de merde. Bon. T'as dit que tu dois en occuper, hein? What? Nice. Bro, what the fuck, bro? On fait un FIFA. Ok, oh, il gère la fougère, comme on dit bien sûr dans les cours de récré.
Attention à la tourelle. Y'a pas de tourelle. Ok. Rex Ronan. C'est vrai qu'il existe ce jeu Rex Ronan. Bien sûr. Sur Super NES. Ouais. Bien sûr. Oh, ça fait plus moins de dégâts que je croyais. Contrairement à Rayman Legends. 60 de dégâts, c'est... T'as une chargée, ouais. Ouais, je pense que ça peut faire moins. Non, je pensais que ça ferait 250. Rex Ronan, c'est le jeu où tu devais rentrer dans un corps humain et nettoyer le corps de l'intérieur. Ouais, les tâches de On n'avait pas parlé de ça. Très grand jeu. J'en avais parlé dans un JDG. Ouais, c'est ça. Non, je connaissais pas. Les bonnes tâches de goudron dans les poumons. J'ai compris les bonnes tâches, je comprenais pas. Oula. Là, tu pourrais peut-être tuer Modern Axe, non? Je sais pas. Modern Axe? Non, vas-y, fais ce que tu penses. Je sais pas ce que tu veux faire, mais... Une dinguerie. Okay. Une dinguerie. Je me disais, parce que je vois où est-ce que tu vises, en fait. Ouais, nous aussi, on voit. Ouais, tu vois, ouais. Bah non, les autres voyaient pas, mais... Non, mais... Ouais. Alors, y a un truc, Antoine, dans le bus de droite, pour info. Hein un une tourelle droite, non? Ouais, y a une tourelle. Non, un verre. Ah. Y a une tourelle. Y a une tourelle à droite. C'est la fin, this is the end. My friend. My only friend. Ok. Ah, tu peux achever Enguerrand peut-être. Tu peux ne pas faire... Ou Michael Vendetta avec une idée. Non, bro, non. Sinon tu peux mettre vraiment un truc à gauche là. Tu peux sauter dans l'eau aussi. Et tu peux prendre les médicaments en bas. Non, pas besoin. Les médicaments. Mon verre il a... Les médicaments, ouais, je cherchais le... C'est le vieux... Tu peux prendre tes médicaments. Tu peux prendre les médicaments en bas. La Florence, t'es morte, hein. Oh non. Bon, Balkan. Mais ouais, j'ai pas besoin elle de ça a fait ce dernier acte de bravoure. Qui en vrai est pas mal du tout. J'ai du moins à côté de Michael Vendetta. BioNTech, ouais. Ouais. C'est la fin de Mario. C'est BioNTech. Ah mais du coup j'ai perdu mes deux verres. Bah yes. J'aurais dû prendre la chanter en fait. Ah oh, merde. Ah c'est peut-être pas la fin en fait. Bah non du coup s'il y a plein de malsains. C'est qu'ils sont morts, on s'en fout. Ah c'est dur la vie. C'est dur la vie. Ouais, t'es pas si mal ce coup en vrai. Aïe. Ouais, t'es très beau coup. Mais cette partie était un petit peu courte pour moi, je vais pas vous mentir. Oh non, bijou. Pour moi, c'est hein. Bébou. Bon. Bébou. Merde. Bien. Qu'a-t-il fait? Une petite tourelle. Bien joué ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis là pour encourager ma team. Bien sûr. Allez la team. Allez. Team. Allez. Allez. Jamais. Allez la team. Allez. Baguera. Jidej. Ah merde, ça a pas marché. Minto. Baguera. Allez. Baguera. Minto. Oui. Il va se noyer mon verre si j'ai. Oui, c'est moi. Allez. Baguera. Il reste deux verres de Mintos, deux verres d'Antoine. C'est ça. Un verre, moi. Antoine, il en a un. Ouais, c'est ça. Allez. Oulala. Ah, le double? Le triple? Mais attends, mais tu vas tuer où? JDG? Oh, dommage. Ça aurait été génial. C'est à chier, mais... Oh, ça aurait été génial. Oh, c'était pas dingue, hein. Allez. C'est vraiment pas dingue. Mintos, tu nous fais ta dinguerie, là? Ouais, ça arrive fort, mec. Ah mais oui, il y avait... Ouais d'accord, j'ai un peu vomi dans ma bouche. Ah mais c'est la première fois que j'essaie d'utiliser les triple compresseurs, plus jamais hein. Mintos. Allez, Mintos. Oh là là, il serait venu 400 PV dans le tour. Je suis turgescent là, ouais. Ah bah là, turgescent à donf. Ah non, j'ai pas la banane encore. Je suis trop triste. T'es toujours pas debout? Toujours debout. Téléporte-toi dans l'eau. Le personnage de Tekken? Quoi? Ouais. C'est fort. Faut que tu nous expliques la vanne. Ouais. Allez, pitié. Explique la vanne, c'est toujours plus drôle quand t'expliques. Non. Hop. C'est pas fun. Ah bah. C'est pas bien, Mintos. Allez, Mintos. Mintos est là. Oh là là, dans le Guérant. Ah, c'est Guérant, mais il n'a plus de. Ah non, il est. Oh, allez, Jidej. Fini pour en Guérant. Jidej. Allez, Jidej. Il faut que tu butes Michael Vendetta là. Oh le point.
point de feu, ça suffit, hein. Point de feu, mais il faudrait que tu te renvoies après, ouais. Non, ça marche pas. Ouais. Mets un doigt, là. Bah, une dynamite, hein. Non, bah, c'est pas grave, écoute. La dynamite. Mets-moi un doigt. Ah, tu te... Allez, Jidej. Ah non, Mintos. Bah, ouais, c'est... Trop bizarre, pourquoi il a rebondi dans ce sens-là, c'est trop bizarre. Il y avait un message important à te lire. Quoi? J'ai trouvé un nouveau plat fétiche pour Mintos, c'est le cock and tris. C'est la moitié d'un cochon cousu avec, dans le bas, avec le bas d'une dinde. Oh non, non, pitié. Le cock and tris. Je suis pas, un carnivore, hein. Le cock and tris. C'est pas des trucs qui m'excitent, ça, les doubles animaux, là. C'est pas légal, faut le savoir. Tu fais du droit, faites-moi confiance, hein. C'est pas légal. C'est gagné, quoi. Moi, j'aime les gâteaux, hein, j'aime pas la... Hop là. Voilà. Juste hop là, en fait. J'aurais aimé que tu sautes et que la tourelle te tire dessus, tiens. Ouais, j'aurais aimé aussi, mais c'est pas arrivé. J'aurais aimé, mais ça arrive pas, malheureusement. Ça arrive qu'aux autres. Allez, ouais, Bagheera. Avec tant d'axes, la game. Bagheera. Bah, je sais pas quoi faire, hein. Ils sautent dans l'eau. C'est une TP, les gens. Non, mais c'est gagné, là, de toute façon, je pense. Bagheera. On essaye d'éliminer Christopher Mich, peut-être avec un concasseur. Tu peux c'est le pousser. J'ai plus de concasseur. Minto, Bagheera. Bah, full. T'as pas un raid aérien? Je voulais me TP en fait. Non, mais t'as un raid aérien, tu peux buter le concasseur sur sa vie avant toi. Sur qui? Sur Fulk, à droite. C'est une désastre. Non, sur Buentex. Oh, le mec de merde. Sur Bizou. Alors peut-être. Le mec de merde. Alors peut-être. Sur Freezer. Pourri qui lui donne. Je pense que c'est bien. Je fais confiance. Ah! Bah, c'était pas prévu. Pourquoi tu me fais confiance? Tu m'as tout à l'heure. Bagheera! Il est parti en 8 mois, quoi. Allez, Mintos! C'est. Après, t'auras peut-être le temps. Ça se passe pas de ouf, hein. Mintos! Faut que je crève des. Oh! Encore, encore? JDG! Non, mais en vrai, la partie est équilibrée. JDG! C'est équilibré, ouais. En vrai, espace maintenant, c'est win. Non. Ne l'écoute pas, c'est mauvais conseil ça. Je suis dans ta team. Non, Mintos. Oh là là, Mintos, c'est dingue. En vrai, si tu la places, si tu la places à droite. L'artiste à l'œuvre. Voilà. Oh, on l'appelle le pro de la banane. La banane, le bananeur. Oh, il se coince, oh, il se coince. On l'appelle le pro de la merde. Oh, Mintos. On l'appelle le pro de la merde. Ah, terrible. Louf. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Jugonzé. Bloqué, je l'ai coincé. Jafar, oh putain, mais attends, mais ça va être Antoine Zaniel. Je suis coincé. Ah bah non, du coup c'est à Jidej, du coup Mickaël Vendetta est mort. Attends. Ouais, là, si tu lui mets juste un doigt. Juste hein. Un doigt. Pas, allez, attends. Si doigt, parce qu'après tu vas mourir noyé si tu bouges pas. Si tu bouges pas, tu vas nous mourir noyé. Il faut que tu puisses partir. Si tu bouges pas, tu meurs noyé. J'ai pas. Tu poses une mine, et tu te casses avec un. Non. Mais non, j'ai pas. En vrai. Non. Bon, alors suffit. J'ai pas, écoute. Mais toi, mais. C'est pour vous. C'est pour l'équipe, c'est pour l'équipe. Double saut. Voilà. Il y a peut-être moyen. Peut-être moyen. Allez, Jidej, Bagheera. Zizi, c'est fini, je crois. Non. Ah, Ziz, la Ziz, ouais. Antoine, la Ziza. Bon, déjà. Je te veux. Ouais, on voit la banane. Allez, et là, l'Armageddon pour finir. Mais non, mais j'ai plus de jetpack en fait. Titane de métal. Hein. Oh non. Va faire crafter. J'adore le métal. Tous les jours, je coûte du métal. Par contre, j'ai ça. J'ai. Non, sur Pfizer. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça. On va voir. Parce que là, je suis pas sur ça tout. Ouais, hein. C'est de la merde. Bah ouais. C'est de la grosse de mer. Merci à tous. Insane. La boule de merdasse. Oh, toi. Ah, mais attends, c'est pas moi, putain. C'est vraiment un énorme porc, quoi, ce soir. Hein. Oh là là. C'était pas moi. Est-ce que j'essaie quand même de sauver Zizi ou il reste que Antoine là? Il reste que Antoine, je crois. Moi, je quitte ce stream. J'essaie pas de sauver Zizi. Ah, mais j'ai plus de quoi. J'ai pas... Bah, écoutez, je vais sauver Zizi plutôt, hein. J'ai rien de. Ouais, essaye. Bah, essaye, vas-y, je safe. Oh, le pauvre. Ah, oui, d'accord. Est-ce que c'est vraiment une bonne strat? Ouais, ça va. Bah, enfin, en fait, le truc, c'est que là, j'ai rien pour le buter, donc je compte sur JD. Ah, mais il va mourir, JD. Bah non, j'ai déjà ce droit. Il y a des chances que je meure, là, au prochain tour. C'est sûr. Ça va se jouer au pixel, en tout cas. Bah, en vrai, c'est bon, je pense que je peux. Oui. Allez, Antoine. Salut, Mo, en vrai. Attends. En vrai, je pense que je peux m'en sortir, ça, ok. Salut, Mo, tu la feras bien chier, elle pourra pas te tuer facilement. Attends, déjà. Espace.
Attends. Wow. Oula, il se passe... Encore. Oulala. Il est en classe de maître, là. Antoine fait des dingues. Allô, ouais, non, est... je pense qu'il peut buter l'univers, ça, ok. En vrai, Antoine, barricade-toi. Oh, en fait, ah oui, il a mis un petit télégramme, trop aimant. Eh oui, c'est gagné de sa part. Il est en classe de maître, là. Ou simplement gagné de sa part. L'aimant, ça... Ouais, non, non. L'aimant, ça repousse que les grenades, ça repousse pas les concasseurs, etc. Ah, si, si, si. Tu peux envoyer les concasseurs comme tu veux. Ah non, les concasseurs, c'est les... Ça repousse tout ce qui est de métal. Tout ce qui est de métal. De métal. Allez, Bagheera. On peut te mettre la pression, mais... Bagheera, il y a... Bagheera. Ouais, mais le problème, c'est qu'il est bien moins bien protégé. T'as une banane ou pas? Ben, rejoins le corps ninja. Mais la banane, ça va éjecter, hein. La banane, ça ne repousse pas, non. La banane, c'est pas... Alors, je sais pas si t'as déjà mangé une banane, Bagheera. Attention, là-bas, il y a une tourelle. Il y a une tourelle. Attention, elle est folle. Là, il me touche pas si je me pose là. Oui, oui. Prends juste ta banane. Bah, j'ai l'autre, de toute façon, donc je peux y aller. Ouais, ouais, prends la banane. Non, ouais, ouais, mais essaye de te recacher quand même en bas, si tu peux. Essaye de te recacher, c'est ça. Ah, en bas. Bon, bah, bien joué. Oh mon dieu. Bravo! Masterclass. Mais attendez, mais en Masterclass. Bravo. Non, mais t'as gagné. Bravo. Allez, Bagheera. Bravo, Bagheera. Let's go! Bravo, Bagzouille. C'est un travail d'équipe, c'est un travail d'équipe. Bravo! Bravo. On n'aurait jamais pu y arriver sans toi. L'hymne, c'est parti pour l'hymne. L'hymne de la Suisse. Ah, j'ai mieux de perso, j'ai mieux. Rien gagné ce soir. J'ai même eu le succès imbattable. J'écoute pas. Ah ouais? Rien. Joyeux anniversaire. Bravo. Bravo. Bien joué à tous. Je sais pas pour quelle raison j'ai été le meilleur vert, mais en tout cas, bravo. Ouais, c'est ça, ça m'a boosté. Excusez-moi, mais dans les jaunes, il y a que des victoires. Je tiens à le dire. Ah oui, complètement. Que de la victoire. On a reboot tout à l'heure. Ouais, bah merci. On a gagné, je crois. Non, on n'a pas gagné, Florence. Alors mercredi, on a gagné, il me semble, tout à l'heure. Prop Night. Ouais, ouais. L'après-midi, Prop Night. L'après-midi, 15h, et on se dit, on voit ce qu'on moi, fait. Moi, il faut genre que vers 18h, je stop, genre. Donc, moi, 14-15h, mais à 18h, je stop. Bah écoutez, ouais. Vous voulez pas qu'on s'organise ça à l'écrit, plutôt? Ouais, on s'organise ça sur Discord, ça marche. Allez. Des bisous, merci. Bah, des bisous à vous, c'était bien sympa.